Je ne sais pas comment je dois faire pour enlever ma belle-sœur derrière moi et mes enfants. Pourtant, je croyais que t'aider à louer une nouvelle maison te mettait à l'abri de ces problèmes. Merci beaucoup, mon chéri. Elle me pourrisse la vie. Jusqu'à dire que c'est moi qui ai tué mon mari. Refuse même la paternité de nos enfants. Quoi? Non, pas jusque-là quand même. Oui, voilà pourquoi je suis remontée contre elle. Mon mari a été longtemps malade. Personne ne passait à l'hôpital. Depuis qu'il est décédé, je ne respire pas. Hein? Et il s'intéresse seulement du bien de mon mari. Dis-moi, avait-il deux frères? Oui, un oncle là au village. Il est de mèche avec eux. Est-ce que tu sais qu'une fois, il est même venu quand il dit qu'il va habiter chez moi pour que je devienne sa sixième femme? Mmh. Ce que je lui avais fait, non. Je pense bien qu'il ne passera plus jamais chez moi. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Ah, un jour est arrivé, le mari est décédé. Chérie, tu verras comment ça peut commencer pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. À quoi c'est Google Maps selon toi? Bienvenue chez moi. Merci. En place. Je t'offre un verre d'eau. Laisse-moi au moins le temps de m'installer. Écoute, Michel, je ne suis pas venu ici pour des problèmes, mais pour t'amener voir ton salon. C'est toi qui as voulu que ce problème se résiste, Roger. Tout simplement parce que tu ne peux pas garder ta queue là entre tes jambes. Toujours à la recherche d'une nouvelle proie. Tu as vu comment elle te parlait là devant mes collègues? Sans aucun respect. Je m'en fous de la façon avec laquelle elle me parlait. L'essentiel c'est qu'elle sache que c'est toi que j'aime et que c'est avec toi que je veux faire ma vie. Je ne suis plus très sûre de ton amour, Roger. Pardon? Mais tu blagues! Écoute, Roger, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Le salon, là, ça va d'abord attendre. Pour le moment, si, moi, je dois retourner travailler. Justine, je ne comprends pas pourquoi le fait que ta mère ait un petit ami soit un problème pour toi. Elle est jeune et a droit à l'amour, non? Qu'est-ce qu'elle veut encore de Dieu? Elle a eu un homme dans sa vie que Dieu a appelé à lui. Elle a eu 3 enfants avec celui-ci. Je pense qu'elle devrait plutôt se concentrer sur l'avenir de ses enfants. Au lieu de s'embarquer dans une relation qui, je suis sûre, ne va rien lui apporter d'autre que la distance avec ses enfants. Je pense que là, tu fais une fixation sur l'échec. Tu ne peux conclure qu'une nouvelle relation de ta mère ne vous apportera rien. Non! Écoute. Tu es ma copine et si je peux te donner un conseil, c'est de trouver le moyen d'accepter le choix de ta mère et de la soutenir. Quitte à ce qu'elle-même se rende compte que cela ne valait pas la peine. Décidément, personne ne me comprend. Personne.
Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui, la nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Non, c'est pas toi le problème. Tous les jours, mes chers amis, c'est la journée qui commence mal, c'est tout. Ouais, maman, je suis pas la famille. C'est bien comme tu es là. Ma fille, je vais te donner un peu d'argent de garder pour me remettre dans 2 semaines que je suis là. Maman Choco, elle n'était pas facile. Maman Choco, tu sais que nous sommes là pour te satisfaire. C'est combien? C'est 50 000 francs. Et à partir de demain, je cotise 2 000 jours. Voilà, quelque chose d'intéressant. Faut prendre un et laisser l'autre. Nina, je te présente Maria, mon amie. Nina, ma meilleure amie et camarade de fac. Fac. L'université. De l'école. Elle me plaît bien. Elle est drôle. C'est une très bonne personne. Sincère et surtout vraie. Alors, ça se passe comme au café. Pourquoi tu ne viens pas? Je n'aime pas Tata Sunita. Elle gronde trop et est toujours avec son téléphone là. Like you lost another one.